Bonjour à tous mes chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Je suis aujourd'hui dans l'obligation de vous faire cette vidéo pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur mais aussi qui est très important parce qu'il concerne notamment ma vie et également la continuation de cette chaîne. Alors en fait, il faut que je vous explique certaines choses. Je vais vraiment être franc et clair aujourd'hui avec vous et je vais vous demander tout simplement certaines choses. Donc je vous invite vraiment à être attentif dans cette vidéo. Je vais vous parler quelques minutes. Je vais essayer d'être le plus concis possible pour vous expliquer un petit peu. Vous savez ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit que il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, et nous sommes tous, on va dire, dirigés dans une même direction avec le Seigneur. La Bible nous dit également que par rapport à ça, il y a une unité des enfants de Dieu qui doit être vraiment quelque chose visible, parce que l'unité fait partie aussi des traits de l'amour que nous donne justement le Saint-Esprit. Et donc en fait, cette unité ne doit pas être utilisée à mauvais escient, dans l'exagération, dans la tromperie, parce que là, on sort du cadre de l'amour, et là, on est vraiment dans le péché, en fait, hein, tout simplement. Donc en fait, je vous explique, je vous avais déjà expliqué de façon très claire que je voulais me réorienter professionnellement parlant parce que actuellement je travaille dans le transport poids lourd et je fais énormément d'heures. Je fais vraiment beaucoup d'heures et donc c'est très compliqué pour moi d'allier les travaux que j'ai à faire dans ma maison, de me reposer, de passer du temps avec ma famille et en même temps de faire l'œuvre de Dieu sur Internet. C'est pour ça que vous voyez aussi malheureusement sur cette chaîne, alors que j'ai vraiment des dizaines et des dizaines de vidéos qui sont en attente dans des dossiers avec des articles vraiment incroyables que j'ai réussi à dégoter sur Internet qui sont tout simplement bluffants parce que ce sont souvent des articles que je dégote sur des sites après des heures de fouille ou que le Seigneur me montre sur certaines pages sur lesquelles je retombe. Et donc ces articles parlent de l'actualité prophétique, parlent de choses vraiment incroyables avec aussi des choses qu'on peut retrouver notamment dans l'Ancien Testament et qui se réalisent aujourd'hui, donc des accomplissements, des choses aussi qu'on peut vérifier aujourd'hui en regardant un petit peu autour de nous, qui montrent la véracité de la Bible. Donc vraiment des choses qui sont incroyablement puissante, beaucoup de sujets d'actualité aussi que j'ai pas encore le temps de traiter. Donc c'est triste parce qu'en fait c'est frustrant, en fait c'est frustrant parce que j'aimerais pouvoir passer plus de temps sur cette chaîne, ressortir ne serait-ce que une vidéo par semaine, hein. Là je suis qu'à deux vidéos par mois, donc ça fait une tous les 15 jours, c'est compliqué même encore à ce rythme là donc j'ai décidé, frères et sœurs, de tenter une reconversion professionnelle. Alors ma reconversion professionnelle va se faire via une petite micro-entreprise où je serai certainement pas le seul à travailler. Et en fait, je suis en train de passer actuellement le diplôme de télépilote de drone. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que grâce à ça, on peut vraiment, moi qui ai beaucoup de connaissances avec des personnes sur des chantiers, tout ça, donc j'ai déjà pas mal de choses, de possibilités de travail en ligne de mire. Donc c'est vraiment pour moi un tout autre domaine. Hein, et j'aimerais aujourd'hui vous demander de, si vous le souhaitez, bien sûr, je ne force personne, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, d'aller vous abonner sur une chaîne YouTube que j'ai créée également, où je vais mettre dessus, en fait, vous allez voir, ça va vraiment être sympa, parce que ça sera des vidéos de drones qui auront été filmées et assemblées avec l'aide d'un frère, autour de paysages, de décors qui seront vraiment variés. Donc c'est vraiment des décors et puis des vidéos qui sont vraiment incroyables de visuellement parlant. Donc j'en sortirai de temps en temps. Si vous aimez voilà, vous faire plaisir et voir la beauté de la création du Seigneur, et ben vous verrez que non, c'est sur cette chaîne-là, vous allez vraiment découvrir pas mal de choses. Cette chaîne, voilà, je vais l'alimenter aussi régulièrement parce que c'est des vidéos qui durent 1 minute 30 à peu près en moyenne. Donc c'est des vidéos qui sont très rapides à faire, qui me prennent vraiment très peu de temps et que je vais essayer de mettre justement en corrélation avec la chaîne de foi pour vraiment essayer de faire dans les deux camps, parce que cette chaîne en fait de vidéos drone va me permettre d'avoir une sorte de vitrine que je vais pouvoir présenter à des clients lorsque je vais faire en fait tout simplement du démarchage, hein, pour leur montrer un petit peu et leur proposer des prestations. Donc le but, c'est vraiment que vous puissiez aller vous abonner à cette chaîne là, vous puissiez mettre des petits likes sur les vidéos pour faire qu'elles aient un meilleur référencement et pour faire aussi que derrière je puisse éventuellement avoir
plus de visibilité dans le monde professionnel et que ma reconversion professionnelle se déroule dans la meilleure possibilité possible. Hein, parce que c'est vrai que c'est aussi pour moi quelque chose de stressant parce que je vais quitter quand même un travail où j'ai un CDI, où j'ai quand même certains avantages. Pour partir vraiment vers l'inconnu. Je sais que le Seigneur est en train de me pousser dans cette voie pour plein de raisons que je vous expliquerai par la suite, dans une vidéo vraiment spéciale là-dessus. Mais c'est tout simplement incroyable. Dieu est en train vraiment de changer la chose parce qu'il le voit que je suis en train de vraiment patauger en ce moment niveau temps. Niveau temps, c'est vraiment compliqué. Donc voilà. Ensuite, je vous mettrai également un lien vers une page Facebook, c'est pareil, là sur cette page, vous aurez beaucoup de photos aériennes, vous allez voir, il y a vraiment des photos, j'ai fait des photos d'endroits vraiment splendides, que ce soit sur mes lieux de vacances ou aussi quand je me déplace avec mon véhicule un peu partout quand je me balade, il y a vraiment des coins là où j'habite qui sont tout simplement grandioses en beauté, des monuments incroyables, et quand on voit du ciel, c'est encore plus beau, j'ai l'impression vraiment qu'on multiplie la beauté par deux. Donc voilà, c'est déjà si vous faites ça, si vous vous abonnez et si vous allez liker la page Facebook ainsi que les vidéos YouTube qui sortiront sur le drone, ça me permettra vraiment d'avoir un énorme coup de main dans l'unité fraternelle de Christ pour justement développer, me permettre d'accéder à un nouvel emploi et automatiquement vous serez aussi, il faut le dire, vous aurez contribué à l'œuvre de Dieu parce que ça va me permettre de dégager du temps libre. Parce que là, je serai sur un contrat de 35 heures, hein, donc ça sera quand même vraiment, vraiment autre chose. Et avec ce contrat de 35 heures, automatiquement, j'aurai beaucoup plus de temps et d'énergie, parce que ça sera moins physique, pour venir tout simplement faire des vidéos sur YouTube. Donc je vais accentuer et accélérer la production des vidéos sur YouTube hein, pour la foi. Donc ça sera vraiment quelque chose qui va vraiment me permettre d'avoir un peu plus de temps libre pour justement travailler davantage pour le Seigneur, pour votre édification, pour l'évangélisation. Donc indirectement, vous savez, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Indirectement, comme Paul le disait, il y en a qui sèment, il y en a qui arrosent, Dieu fait fructifier. Voilà, et quand on apporte quelques petites graines ou un petit peu d'eau à son niveau, eh ben, ça permet vraiment d'aller vers des choses vraiment incroyable et ça permet vraiment de peut-être de sauver, vous aurez contribué indirectement peut-être à sauver des gens. Voilà, vous savez, à la fin des temps, lorsque le Seigneur jugera, on sera étonné de voir tout ce que parfois on a donné une petite phrase à quelqu'un et ce que ça a pu produire comme changement de vie. Et je vous donne un exemple concret. Un coup, j'ai parlé à un frère sur Facebook. Il m'a posé une question vraiment d'une simplicité incroyable. Je lui ai répondu vraiment avec la Bible et c'était une réponse assez simple. J'étais un petit peu sceptique en me demandant justement si ça allait produire de bons fruits. Et il est venu me voir plusieurs mois après où il m'a dit « Tu sais, tu m'as donné une phrase pendant le Covid où j'étais vraiment limite à me suicider en fait. » Cette personne était vraiment dans un désarroi incroyable. Et cette phrase que je lui ai donnée lui a donné une force et une volonté. Il s'est relevé, il a combattu et il m'a remercié chaleureusement plusieurs mois plus tard. Donc vous voyez que la gloire de Dieu, c'est ça aussi. C'est parfois donner un petit peu de son temps, un petit peu de, voilà, vous voyez, un petit like sur une vidéo, un petit abonnement, un petit quelque chose comme ça. Et ça permet derrière, et ben, tout simplement, de produire de très bons fruits que parfois nous ne voyons pas. Hein, je l'ai vu aussi par les rencontres que j'ai pu faire avec certaines personnes. Ça ne montre toujours pas les fruits, mais en fait, les fruits sont parfois cachés et c'est Dieu qui va nous révéler ça lorsque nous serons face à lui. Hein. Et parfois, on a même les gens qui nous appellent, comme je vous disais, comme cet exemple de ce petit jeune qui m'a rappelé en me disant vraiment, tu m'as été d'une grande aide. Donc là, voilà, on a abordé le premier point, donc cette chaîne YouTube sur le drone. Et cette page Facebook, si vous avez possibilité d'aller liker les vidéos et vous abonner, elles seront alimentées régulièrement dans le cadre de mon futur travail et de ma réorientation professionnelle. Donc ça, c'est votre première aide que je vous demande, chers frères et sœurs. Maintenant, j'aimerais aussi vous solliciter, tout simplement, parce que je vais être franc avec vous. En fait, YouTube,
J'avais mis en place un système de monétisation de certaines des vidéos que je mettais parce que beaucoup étaient démonétisées à la suite de, vous savez, la foi et le monde malheureusement n'ont jamais fait bon ménage et ne feront jamais bon ménage. Donc beaucoup de mes vidéos étaient refusées à la monétisation. Donc je touchais par YouTube quelques dizaines d'euros, voire quelques centaines, ça pouvait aller jusque 200 euros, quelque chose comme ça. Ça a déjà monté un petit peu, même à 300, 400. Ça me permettait avec ça d'alimenter aussi l'achat de matériel informatique pour justement remettre à jour mes logiciels, que ce soit de montage, de traitement de photos, vidéos, tout ça. L'ordinateur aussi qui coûte très très cher. Aussi, faut savoir que par rapport à cet argent qui était engendré, c'était vraiment vraiment pas grand chose. Hein, sachant aussi que je devais déclarer cela, donc j'avais aussi une partie qui était prise par les cotisations sociales, tout ça, les impôts. Donc il me restait vraiment un petit peu d'argent et cet argent était utilisé, comme je vous disais, en très grande partie et d'ailleurs même en totalité, hein, parce que je ne m'en servais pas pour moi-même, c'était vraiment pour l'œuvre de Dieu, pour notamment les logiciels, les ordinateurs. Vous savez, un ordinateur, ça coûte aujourd'hui, il faut moins compter d'entre 2 et 3 000 euros pour un ordinateur. À côté de ça, on a plusieurs centaines d'euros pour les logiciels de montage qu'il faut créer avec des abonnements. Parce qu'aujourd'hui, quand on est dans l'œuvre de Dieu, on ne peut plus pirater les logiciels. Donc, on doit tout payer. Et c'est très très cher. Hein, donc, c'est vraiment très très cher. Aujourd'hui, YouTube a décidé de complètement, parce que j'ai parlé de sujets sensibles, ça ne plaît pas, hein, la chaîne de foi ne plaise absolument pas, qu'est-ce qui s'est passé? La monétisation des vidéos a été complètement annulée, et aujourd'hui, YouTube ne veut plus monétiser aucune de mes vidéos, donc je me retrouve vraiment à mettre la main dans mon portefeuille, sachant que je suis un ouvrier, je ne suis pas quelqu'un qui gagne des très gros salaires. Donc, je vais vous demander tout simplement, selon bien sûr votre cœur, votre possibilité de soutenir cette chaîne, si vous avez possibilité de faire éventuellement un petit don. Voilà, donc je vais mettre le lien également dans le descriptif de cette vidéo. Vous faites ce que vous voulez, hein, voilà, je sais que il y a des frères et sœurs qui m'ont déjà donné des coups de main aussi pour la gloire de Dieu, de 10, 15, 50, 100, 200 euros. J'ai eu des dons de 200 euros et ça me permet vraiment de garder cet argent pour, notamment j'avais acheté une enceinte pour les endroits où je me déplaçais pour faire les louanges, une petite enceinte portative. J'avais acheté également des instruments de musique pour que mon fils puisse louer. J'avais aussi acheté tout simplement des logiciels, des abonnements, des logiciels de montage parce que ceux que j'avais étaient expirés. Donc vous voyez, c'est vraiment pour la gloire de Dieu, pour l'œuvre de Dieu que je vous demande ça. Alors je sais bien sûr que, et vous savez très bien que depuis les 5 années que je suis sur YouTube, je ne réclame pas d'argent parce que je ne trouve pas ça forcément obligatoire, sachant que j'ai beaucoup contribué aussi à l'œuvre de Dieu avec mon salaire. Mais aujourd'hui vraiment, je me retrouve avec les travaux de ma maison, avec tout ça, je vais pas dire en difficulté financière, ça serait pas honnête, mais je vais vous dire, il me faudrait vraiment un petit peu d'aide pour pouvoir me permettre de suivre la cadence, sachant que mon ordinateur est en train vraiment actuellement, je vais pas dire d'arriver en fin de vie, mais de plus trop suivre la cadence avec les traitements vidéo, avec les logiciels. Il commence à avoir déjà quelques années parfois il y a des petits bugs, des petits lags, et donc je sens que vraiment la machine commence un peu à fatiguer. Donc le jour que ça s'arrête, malheureusement je perds toutes mes données, donc j'ai fait une sauvegarde sur un petit peu des disque dur, et je dois changer d'ordinateur aujourd'hui, j'en serais incapable financièrement, sachant que là j'ai dû acheter une petite voiture aussi pour ma femme aller travailler. Donc vous voyez, c'est là, moi, je pense qu'on est tous un petit peu dans la même optique, hein. Aujourd'hui voilà, moi le but c'est pas de m'enrichir sur internet, hein. Le but, c'est simplement de vous demander une petite contribution, si vous avez la possibilité, si Dieu vous met ça à cœur, pour me permettre d'avancer dans l'œuvre de Dieu sereinement. Comme je vous dis, mon intention, c'est vraiment de pouvoir mettre en place des vidéos plus poussées au niveau du travail. Donc automatiquement plus de capacité au niveau des montages. Et derrière aussi, d'avoir aussi derrière
plus de temps libre par cette réorientation professionnelle. Voilà, donc je pense que j'ai été clair, j'ai été franc et honnête aujourd'hui avec vous. Alors je sais sur ma chaîne qu'il n'y a pas que des personnes qui sont bienveillantes. Je sais aussi qu'il y en a qui sont là pour... je vois parfois des commentaires vraiment qui viennent des bas-fonds de l'enfer. Hein. C'est vraiment des commentaires haineux, méchants. Et je sais très bien que ce sont des attaques de l'ennemi. Généralement, je n'y prête pas attention. Donc voilà, maintenant je vous invite aussi à prier pour moi, pour que le Seigneur puisse me guider et m'aider dans cette réorientation professionnelle qui, quand même, à mon âge, j'ai 44 ans, est quelque chose qui est, comme je ne veux pas vous mentir, très difficile et où ma foi est fortement mise à l'épreuve. Un petit peu comme quand j'ai déménagé, où je ne savais pas où j'allais me retrouver, j'aurais pu atterrir dans une situation complètement dingue, en ne vendant pas ma maison, en ne trouvant pas de maison aussi sur le marché, vu que c'est très compliqué sur le marché aujourd'hui. Et j'ai décidé de faire confiance à Dieu. Là, c'est un petit peu le même processus. Comme je vous dis, vraiment, je vois la gloire de Dieu et je vois le Seigneur en train de me diriger de manière incroyable vers cette réorientation professionnelle. Comme je vous dis, le but, c'est vraiment de passer de mes 45, entre 45 et 55 heures par semaine que je fais actuellement à des semaines de 35 heures, c'est-à-dire comme un salarié normal. Parce que voilà, comme je vous dis, c'est pareil, quand on se lève le matin à 5 heures et qu'on rentre le soir à 18-19 heures, on n'a plus la motivation de faire une vidéo, on est fatigué, on n'a qu'une envie, c'est de manger et de prendre une douche et d'aller se mettre dans son lit. Donc parfois je suis triste quand je dois faire ça parce que ben, j'ai pas l'impression de profiter de ma vie, de pouvoir évangéliser à ce que j'aurais envie de faire en fait, hein, c'est frustrant. Mais bon voilà, je vous demande vraiment, s'il vous plaît frères et sœurs, de m'aider un petit peu dans ces trois points d'optique, hein, la page Facebook, la chaîne YouTube, éventuellement un don régulier ou un don voilà, que vous faites une fois sur le lien que je vous mets, donc les trois liens que je vous mets dans le descriptif de cette vidéo. Je vous remercie par avance du fond du cœur pour votre amour fraternel. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont déjà apporté leur soutien, que ce soit financier ou que ce soit aussi... d'amour, par voilà, des accueils aussi quand j'ai pu aller les rencontrer à leur domicile, ils se reconnaîtront et voilà, je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur pour tout cet amour, tous ces bons moments qu'on a pu passer ensemble et aussi tout ce qu'on pourra vivre et partager encore sur cette chaîne de foi, malgré le fait que le diable et les autorités, les élites viennent mettre le bâton dans les roues des gens qui parlent de foi sur internet ou des gens qui essayent de refléter la gloire de Dieu. Hein, parce qu'aujourd'hui, voilà, on voit bien que tous ceux qui, entre guillemets, réussissent ou tous ceux qui s'enrichissent, entre guillemets aussi, eh ben, ce sont des gens généralement qui servent le diable indirectement, parfois même sans le savoir. Et c'est très rare de voir des véritables chrétiens réussir dans la vie. Alors mon but, comme je vous disais, c'est pas de devenir grand, célèbre et riche. C'est simplement de pouvoir me réorienter professionnellement. Et c'est pour moi aujourd'hui un vrai challenge et c'est pour moi aussi aujourd'hui une vraie difficulté. Donc je vais en tout cas avoir foi, avoir confiance en Dieu. Je vous remercie par avance et je vous reparlerai de cette situation d'ici quelques mois. En tout cas, voilà, soyez bénis frères et sœurs, merci pour votre amour fraternel, le Seigneur vous le rendra au centuple, et moi je vous dis donc à très bientôt pour une reprise des vidéos que je suis en train vraiment de préparer, voilà, pour essayer vraiment de reprendre sur les chapeaux de roue. Allez, soyez bénis frères et sœurs, parce que l'actualité est actuellement vraiment très très bouillante, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous aime.